Enfin, la montagne a accouché d'une souris. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. C'est un spécial auquel personne ne s'attendait. La dernière parole donnée, la dernière chance donnée à Dadis par le tribunal a porté enfin ses fruits. Vous entendrez le président Dadis, le principal accusé. Vous l'entendrez dans sa dernière prise de parole. Et vous allez conclure avec moi qu'enfin Dadis a reconnu les faits. Dadis a reconnu les faits. C'est comme si Dadis a dribblé tous ses partenaires, tous ceux qui étaient avec lui dans leur refus de reconnaître les massacres. Eh bien, Dadis a coupé les herbes sous leurs pieds, eux tous, en avouant en fait les faits. En avouant enfin les faits. Écoutez bien Dadis. Il a dit devant le président du tribunal qu'en Guinée, là, verser du sang, tuer, quand on est au pouvoir, là, c'est ce qui est normal en Guinée et tous les présidents l'ont fait. Dadis dit que tous les présidents ont versé du sang. Et là où il est, là, tous les présidents passeront là. Ça signifie même que le président Mamadi Doumbia passera là. C'est ce que Dadis veut dire. Dadis veut dire que tuer est normal et que même le président Mamadi Doumbouya passera un jour à la barre pour avoir tué. Parce que pour lui, tous les présidents tuent et ça ne va nulle part. En français ivoirien, on dit yafoui. Écoutons Dadis. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Pourquoi, Monsieur le Président, on parle là même de responsabilité de commandement? Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas.